Au fond, tu voudrais être libre. Quand la joie te touche. Les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Vivre libre au-delà des sentiers battus, on va y aller là, maintenant, tout de suite. On va grimper au sommet, accrochez-vous. Bonjour Guy. Bonjour, bonjour Fazad. Alors, tu vas bien? Ouais, je vais très bien, tout le monde va bien. Oui. Aujourd'hui, on est parti du sentier qui est en bas de la montagne, et on va vers là où tout converge, le sommet. Oui. Alors, par où on commence? Mais c'est pas grave si on se perd. C'est pas grave si on se perd. Voilà. Mais on saura qu'on est perdu. Et peut-être là, peut-être qu'on pourra trouver quelque chose de bien. Ouais. Hein? Parce que c'est quand on se perd qu'on, dans ce monde, en tout cas comme l'habitude le dit, les trains-trains, les choses qu'on doit faire comme tout le monde doit le faire tout le temps, et qu'on se perd là-dedans, là c'est beau. Parce que tu peux peut-être trouver un chemin qui est indisible et qui t'emmène vraiment à ce que tu es vraiment, à toi-même, à l'être que tu es. Ici à La Réunion, il y a pas mal de beaux sentiers qui mènent à de très vastes et beaux sommets, depuis lesquels on peut voir des paysages extraordinaires. Et j'ai eu cette sensation à un moment donné que, en me retournant depuis au haut de sommet, en regardant la vallée en contrebas, que cette beauté-là me parle. Waouh. Ça me parle. Cette beauté, la beauté de la nature. Je ne la connaissais pas avant, je ne l'avais jamais vue. J'en ai rêvé avant de venir à l'île de la Réunion. Mais là, c'est comme si quelqu'un me parle, tu vois. Ça parle, ça parle. Pas quelqu'un, mais ça parle. C'est l'essence, en fait, de ce que tu vois. Mais ce n'est pas vraiment la montagne, ce n'est pas vraiment les arbres. C'est pas... Mais il y a quelque chose dans tout ça, une beauté qui s'élève de tout ça. Waouh, oui, ça te parle. Voilà. Ouais, je le sens aussi, ça. Oui. Ça te prend comme ça. Ouais. Comme dans les bras, dans des bras maternels. Waouh, ça t'emporte. Ouais. Ici, on parle de bras calumés, bras machin, bras ceci, bras cela, voilà, tu vois. Et ben, ça te prend dans les bras. Voilà. Et là, tu te sens à la fois petit, vulnérable, et ta petitesse a sa place. Oui, elle est protégée. Ouais. Elle est dans la sécurité. Ouais. Et c'est cette beauté, en fait, qui te met en sécurité face à la vie. Tu sais, à la vie de tous les problèmes, tu sais. Cette chose te met en sécurité. Tu es blotti là-dedans et tu es innocent de tout ce qui peut se passer. Ouais. Tu vois. Mais c'est quand tu n'es pas innocent qu'il y a plein de problèmes qui... Tu vois, cette beauté, elle a tendance à... Parce qu'elle est fragile, cette beauté. Ben oui, parce que sur le sentier, il se passe des choses. Parce qu'on se dit, il faut arriver à telle heure, à tel endroit. Ben oui. D'accord. Voilà. Et puis dans la tête, on a quelque chose. C'est notre sentier, notre parcours. Faut faire la diagonale des fous, etc. On voit plus la beauté parce qu'il faut y aller à toute vitesse. Oui. En 3 jours, faut traverser toute l'île et on voit plus cette beauté. Voilà. Et on est tellement occupé à gagner que tu vois, ton esprit, il est occupé à ça. Donc ton esprit ne peut pas être libre pour voir ça parce qu'il faut être totalement libre pour voir cette beauté. Il ne faut pas que tu sois occupé. Et il me semble que dans la vie, quand on traverse nos beaux paysages, nos beaux visages, nos enfants qui sourient, tout ça, on soit occupé. On soit occupé et qu'on ne puisse pas voir l'ampleur de la richesse qu'il y a dans tout ça. Tu vois, on rate quelque chose. C'est bien un témoignage que me donnait une grande dame créole atteinte d'un cancer. Elle me disait, c'est tellement dommage. Ouais. Que tous ces gens qui font la diagonale des fous ne puissent pas voir toute cette beauté pendant qu'ils le traversent. La brume qui descend sur la montagne, les embruns, les parfums, les couleurs. Parce que quelque part, tout ça nous soigne, tout ça nous guérit. Et on ne s'en rend pas compte de l'immensité de laquelle on se passe pour avoir une petite chose. On peut avoir un trophée. On peut avoir une entreprise et t'en as eu une. Oui, bien sûr. Mais la hauteur de la satisfaction que cela donne est très minime par rapport à l'immensité que tu es. Bien sûr. Qui aurait cru un jour qu'en dirigeant d'entreprise, tu passes en auteur et que tu écrives des livres d'inspiration aujourd'hui. Et qu'une connaissance beaucoup plus vaste que ce dont à quoi tu avais accès au départ te soit donnée. Même moi, je ne savais pas que j'allais être dans cette optique.
puisque à cette époque-là, je ne pensais pas de but. Je n'avais pas de but, je n'avais pas le but d'écrire un livre. Je voulais juste écrire parce que j'avais des trucs dans ma tête. Je voulais savoir, je voulais comprendre ce que je pensais. Et j'ai écrit les mots comme ça. Et après, je regarde, je dis, waouh, mais c'est bien, oui, c'est ça que je comprends. Je comprends maintenant. Et ça m'a fait un peu, tu sais, ça m'a fait un peu comme une psychanalyse, tu sais. Je me suis guéri moi-même de mon doute parce que je l'ai mis en mots. Et ça, c'est devenu pour moi quelque chose d'inspirant, tu vois, parce que je savais. En le relisant, je dis, oui, ben bien sûr, c'est ça, ça, ça ne peut pas être autrement. Quand tu l'as relu, c'était un peu comme être devant un paysage où tu t'es dit, ça parle. Exactement, ça me parle. Ouais. Et tu vois, à chaque fois que je l'ai relu, je me suis dit, mais c'est un livre, ça. Ben, je vais le publier. Mon premier livre, il est sorti comme ça, frère. Ouais. Mais après... tu vois toute cette émergence, tu vois, depuis que j'étais chef d'entreprise, que j'ai tombé en capote, tu vois, j'ai fait faillite, et où j'ai écrit mon premier livre pour essayer de comprendre qu'est-ce qui m'est arrivé, parce que j'étais dans la panique, tu sais, comme tout homme d'entreprise qui perd tout d'un coup tout, tu vois, je voulais comprendre qu'est-ce qui m'arrivait, et pourquoi. Parce que tu avais ce choix-là, de pouvoir comprendre. Soit... continuer l'affaire parce qu'on était prêt à te refinancer, que tu remontes l'affaire, voilà. Que tu remontes en selle. Mais pour toi, ce n'était pas le but de remonter en selle qui comptait. Donc tu t'es dit, je vais boucler l'affaire proprement et je vais comprendre ce qui se passe là. Voilà. Parce qu'on dirait qu'il y a quelque chose d'important qui est en train de se passer. Pour ceux à qui ça arrive, ça prend un moment pour reboucler l'affaire. Parce que ça ne se fait pas comme ça. Parce qu'il te reste, tu as un résidu de tout ton désir qui est là et qui te tiraille. Tu vois, tu veux essayer quelque chose parce que tu penses que peut-être que, tu vois, tu as un doute. Mais quand tu réfléchis bien, ton doute s'en va. Tu dis, il n'y a rien à faire. C'est que la même chose. Et toute ma vie, quand tu réfléchis bien, toute ma vie, c'était pareil. Je suis arrivé devant mon désir et j'ai eu la déception. Et tout se va de déception en déception, en déception. Et quand tu es dans cette déception-là, eh ben, tu as la grâce de laisser tomber toute l'histoire que tu te racontais. Les promesses que tu te fais à toi-même, ben, tu les abandonnes parce que tu sais que c'est un mensonge. Tu vois ? Et c'est là où tu peux, à ce moment-là, quand tu regardes la vie, tu es un peu plus libre. Et c'est à ce moment-là qu'il y a cette beauté-là qui te prend et qui t'emporte et qui te fait voir que tu n'es pas assis sur quelque chose de fondamental. Parce que cette beauté, c'est vraiment les bases de la vie. Et il faut qu'on mette nous-mêmes sur ces bases-là, sur cette fondation, pour pouvoir faire en sorte que nos vies soient stables. Tu vois, mais faire une vie sur la stabilité que l'argent te donne, que tout ton entreprise t'a donné, que l'amour que quelqu'un te donne, tout ça, ça se passe à l'extérieur de toi. Ça apporte quelque chose, mais c'est pas une stabilité durable, pérenne. Oui, ce n'est pas une paix. Il faut pas abandonner. Ça veut pas dire qu'il faut abandonner. Ouais, ça apporte quelque chose. Ça apporte du confort, ça apporte de la technologie, de la modernité. Et on en a besoin. On en a besoin aussi. On a besoin de la technologie, du numérique, etc. Mais ça ne comble pas entièrement. Voilà. On sait qu'il reste quelque chose. Voilà. Ce n'est pas une stabilité pérenne, une paix qui dure. Voilà. Il y a toujours des moments de coupure, il y a toujours encore quelque chose à compléter dessus. C'est ça. Ce dont on parle et ce dont tu parles là, c'est d'une paix en soi, qui est dans le monde aussi, qui est là de toute éternité, qui peut exister dans l'individu, dans les groupes, dans les organisations, les associations et les entreprises. Voilà. Et pour avoir contact avec ça, eh ben, il faut que tu sois silencieux de tout ce que tu veux. Parce que quand tu veux, ton esprit est en train de tourner pour vouloir. Et l'esprit qui est occupé ne peut pas, n'a aucun contact avec tout ça. Donc qu'est-ce que tu réponds à toutes ces personnes qui sont coachs ou dans le développement personnel et qui disent « il faut aller là, atteindre vos désirs, avoir ce que vous voulez, gagner de l'argent pour demain, investir ici, faire ceci, faire cela ». Pour réaliser vos rêves, qu'est-ce que tu leur réponds à ces gens-là ? Ben, je leur dis, faites ce que vous voulez, mais vous êtes en train de... Vous allez voir, à la fin, qu'est-ce que vous aurez ? Vous n'aurez rien du tout.
Mais je ne leur dis pas ce qu'il faut faire, parce que chacun d'entre nous, on est libre de faire ce qu'on veut, et personne ne viendra t'empêcher. Si tu veux fumer une cigarette, toi, qui va t'empêcher? Au contraire, on va te donner une cigarette pour fumer. Tu veux partir à l'aventure, on va livrer à toi, on va te donner un crédit. Hein, qu'il faudra rembourser, bien entendu. Quiconque prend un crédit doit rembourser, il faut être responsable dans la vie. Et tu te mettras à la corde au cou par toi-même. Et tant sur la potence, voilà. Depuis le haut, on t'a mis sur un petit tabouret là, voilà. Au moment de mourir. Voilà. Peut-être comprendras-tu. Mais tout ce qui est bon, c'est pas pour se moquer, mais tu dis ça, quand tu dis ça aux gens, en disant vous ne trouverez rien du tout. Tu le dis avec une telle certitude, bon, on dirait qu'il y a un vécu derrière, il y a quelque chose. Qu'est-ce qui te mène à cette certitude? Parce que le monde est plein de témoignages qui disent non, regarde, j'ai fait ça, je gagne temps, et voilà, j'ai ça, il faut que tu me suives maintenant. Mais moi, je dis pas aux gens, enfin, je dis pas qu'il faut faire ce que. Non, tu dis, si vous y allez, vous êtes libre, mais vous ne trouverez rien. D'accord. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Ben, c'est-à-dire que, parce que c'est mon vécu. Mon vécu de toute ma vie. J'ai eu plein de choses. Tu sais, j'étais chef d'entreprise, comme je te l'ai dit. J'avais tout ce que je voulais. J'avais 12, 10 000 euros par mois. Tu vois? J'avais des voitures. Tous mes enfants, ils étaient bien placés. Tu sais, c'était cool, quoi. Tu vois? Mais j'avais quelque chose qui me manquait. Il me manquait cette plénitude. Ce moment de me dire, j'ai plus besoin de rien. Tu vois? Parce que tout le temps, j'avais besoin de quelque chose pour pouvoir alimenter ce plaisir que j'avais. Tu vois? Et ça, c'était un enfer. Parce que tout le temps, il faut être actif pour faire exister ce plaisir que tu veux. Tu vois? Et qu'est-ce qui te fait dire que ton vécu à toi peut être le même ou est transposé à d'autres personnes? Ben, tout simplement parce Qu'est-ce qui te fait dire ça? Qu'est-ce qui t'annonce ça que, quand tu observes le monde tel qu'il est? Ben, parce que je vois moi-même dans mon attitude, comment j'étais. Je voulais, je cherchais, je courais partout. J'avais jamais le temps, comme beaucoup de gens. Et quand on n'a pas le temps, ben, on court. Voilà. Et quand tu vois le monde ou certaines personnes qui sont dans cette même situation, c'est comme si tu te voyais il y a 10 ans, il y a 15 ans. Voilà, et voilà. C'est là que tu vois qu'il n'y a pas d'aboutissement. Mais je me vois encore. Ouais. Ça ne veut pas dire que je suis arrivé au top, il n'y a pas d'endroit où arriver, tu vois. Ce que le monde, il est là maintenant, moi je suis comme ça. Il m'arrive de courir, mais je m'en aperçois tout de suite que je cours. Et comme je sais que quand tu cours, tu arrives plus vite à la tombe, oh, j'ai dit oula. On va prendre le temps. Tu sais, voilà, pour aller dans ton sens, j'ai rencontré cette semaine 3 dirigeants. Parce qu'ils m'appellent pour des formations personnalisées en tête-à-tête. Et les 3 mêmes m'ont dit ce que tu viens de me dire. Je ne découvre pas de sens à ce qu'il y a là. Je dois m'élever. C'est exactement pour ça que je t'ai appelé, Farzad, pour pouvoir casser ce plafond de verre qui me mène toujours à la même chose. Et il y en a un, quand j'étais en rendez-vous avec lui, une grande société d'assurance, peut-être qu'il viendra ici. Il a beaucoup de réseaux aussi. En se quittant du rendez-vous, je lui dis, c'est quoi ton rêve? Il me dit, mon rêve, c'est de plus en avoir. De revenir là, là où je suis. Je suis trop à gauche, à droite, faire ceci, faire cela. Et on me dit, je suis bon. On me dit que c'est bien ce que je fais. Mais j'ai donné toute une vie. Tu vois? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose, quoi? Et là, je lui raconte mon rêve. Et je lui dis, moi, quand j'avais 24 ans, mon rêve, c'était de franchiser des entreprises. Et je me réveillais le matin avec ça, tu vois, avec de la comptabilité en tête, du marketing, de la vente, etc. Et des quêtes de réussite. Et aujourd'hui, je vois que je peux cultiver la terre, même si elle ne m'appartient pas. Et je suis tous les jours dans un verger. Mais pour ça, il m'a fallu abandonner pas mal d'opportunités, pas mal de choses qu'on me proposait. Et c'est vrai que c'est pas facile. Mais à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, j'aimerais leur dire, ça vaut le coup. Mais ça veut pas dire que tous ces gens qui t'écoutent doivent venir planteurs ou agriculteurs. Non, il y a d'autres choses à faire, bien entendu. Moi, j'aime bien. En ce moment, je me réveille tous les matins à 6h et je me prépare pour aller chez Monsieur Mussard, qui est mon voisin, qui plante à côté.
Et on passe des heures et des heures à cultiver. J'ai cueilli en fait, des braises pendant dire, 2 heures. Tu es en train de me dire ça m'a tué les mains, mais c'était ouais. bon en fait. Je ne sais pas comment l'expliquer, ouais. mais tu touches la nature, tu touches la plante. Ouais, ouais. Tu as trouvé une passion. Ouais, c'est quelque chose qui vraiment. Et justement, comme on parlait au début de l'émission, peut-être que en faisant ça, il y a quelque chose qui s'éveille en toi. Tu vois, mais c'est pas tant ce que tu fais, c'est pas tout ça. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Mais c'est la beauté que tu trouves en toi quand tu es là, présent, tu vois. Et quand tu es cette beauté-là, eh ben, tout ça, c'est l'essentiel. C'est essentiel d'avoir cette beauté, peu importe dans quoi tu fais, tu sais, dans quelle situation tu es. Et d'avoir cette passion, cette beauté, cette joie d'être là, à faire ce que tu aimes, tu vois. C'est ce qui se passe dans notre monde, c'est que la plupart d'entre nous, on fait des choses qu'on n'aime pas. C'est pas qu'on n'aime pas, on aime parce que. On aime parce qu'il faut payer le loyer, on aime parce qu'il faut le faire, tout le monde le fait. Il y a un résultat, il y a une récompense. On aime pour ça. Oui, et même sur le terrain, quand on cueille pour vendre. Voilà. La botte de bread, on le vend 60 centimes, qui ensuite est revendu à 1 euro, 1 euro 50. Voilà, voilà. Et quand on ne nous achète pas ou qu'on ne nous paye pas, ben ça cause des tracas. Voilà. Et puis ça cause peut-être ta passion de s'épanouir, de se ternir. Oui, ma passion se ternit comme ça parce que je vois qu'on est dans l'obligation de produire et que dans la quête de produire plus, en mettant du pesticide, en enlevant certaines bestioles, etc., je suis en train de tuer pour, moi, faire vivre un désir. Exact, ouais. Et ça m'a posé un dilemme en moi, un problème éthique. tu vois, ça m'a pris là, ouais, ici. Ouais. Et j'ai regardé M. Mussard et je lui ai dit, comment tu fais toi? Et j'ai vu qu'il s'est coordonné avec ça. Il s'est fondu là-dedans et il m'a montré, en fait, avec beaucoup de bienveillance, en bon chrétien qu'il est, tout l'autre versant du business. Ouais, ouais. Les gens qui ne payent pas, la production qui est gâchée, des personnes qui ne veulent pas travailler, la solitude sur le terrain. Et c'était à milieu de ce que moi je vivais en moi-même pendant qu'on faisait ces choses. Parce que moi je me voyais en train de cultiver ensemble, en train de faire ensemble, en train de grandir ensemble, tu vois, en train de se nourrir ensemble avec cette terre. Oui. Et dès que l'impératif financier est venu, tu sais, c'est comme un coup de couteau. C'est comme si tu te réveillais en pleine nuit avec un cauchemar. Exactement, voilà. T'étais en train de voir l'arbre et que tout de suite, il y a quelqu'un qui arrive avec une tronçonneuse et dit « Je vais abattre !» Tu vois, les gens, on réalise pas trop ça. Et pour nous, c'est devenu normal qu'on se réveille comme ça. Ouais. Avec des coups de tronçonneuse comme ça. Mon Dieu. On dit on va se remettre, on va refaire, on va rebondir, on va faire ci, on va faire ça. Mais en fait, je crois que tout l'essentiel n'est pas ce qu'on fait, c'est qui fait, tu vois. Parce que celui qui fait pour un intérêt, pour quelque chose, pour un résultat, pour une récompense, eh ben lui, il va, au bout d'un moment, il va perdre pied. Ben oui, en fait, on voit que j'ai observé que quand on produit, au niveau de la terre, hein, je parle, à hauteur de nos besoins. Tu vois, on peut dire un individu, 3 mètres carrés, d'accord, peut lui donner sa nourriture, on va dire. Ça pose aucun problème, on peut vivre en harmonie avec la nature. Quand même, non, 3 mètres carrés. Imaginons 3, 4, 5 mètres carrés. Mais, mais c'est vrai qu'en disant ça, en disant si, si on est dans l'impératif de produire, non pas pour se nourrir, mais produire pour faire de l'argent, c'est-à-dire je cueille l'avocat dans l'intention de vendre l'avocat. Oui. D'accord ? Je le cueille gratuit. Bah là, tu vas mettre du pesticide dans les racines parce que ça pousse pas assez vite. Hein. Voilà, à partir d'un certain seuil, j'ai observé que pour produire, il faut détruire. Pour produire, à partir d'un certain seuil de production, il faut détruire. Voilà. Il faut détruire de la nature, il faut détruire de la vie, il faut produire, il faut détruire des vies. Voilà. C'est-à-dire que l'argent que moi, je vais gagner, c'est quelque chose que l'autre n'aura pas. Tu es en train de dire, pendant le coronavirus, là, quand on s'est arrêté, ça a fait un bien à la Terre. Bah, bien sûr. On a mis moins de pesticides, et encore, parce qu'on a continué à se nourrir comme d'habitude. Mais ça a peut-être élevé les consciences. Peut-être, j'en doute fort, parce que l'autre jour, j'étais en train de parler avec ma femme, elle me disait les consciences s'élèvent et tout, ma femme est psychologue, tu sais. Ouais. Et elle me disait les consciences s'éveillent. Et tout à coup, on croise une petite famille qui passait comme ça.
Il y avait une grande dame comme ça, bien forte, qui parlait d'une promotion qu'il y avait dans une des grosses chaînes de distribution ici, comme un champ de centre commercial. Il fallait qu'elle l'obtienne, en fait. Ouais, ouais. Et là, tout à coup, je me suis vu dans cette conversation. Ouais. Tu vois, et j'ai vu, non, on n'y est pas encore. Mmh. On n'y est vraiment pas encore, parce que la publicité qu'on nous donne, on y va, mmh. on l'achète. Mmh. Les désirs qu'on fait émerger en nous engendrent des pensées inconscientes. Ouais. Qui nous font aller dans certaines directions oui. et nous font oublier totalement oui. qui nous sommes. Oui. Donc on n'y est pas encore. Il ne faut oui. pas être si optimiste Alors, que ça. Par contre, il y a quelques personnes qui s'y intéressent de plus en plus et de plus en plus en profondeur. J'en fais partie parce qu'aujourd'hui, je me pose la question si je ne vais pas vivre dans un verger. Vraiment, j'aime me réveiller et me coucher avec la lumière du soleil. J'aime me passer de ces choses-là autant que je peux. J'aime les utiliser et quand je le décide, pas quand eux veulent me solliciter. C'est marrant que tu dis ça. Et je me rends compte que je ne suis pas seul là-dedans. Cette chose que tu viens de dire là, que tu voudrais vivre dans un verger. Krishnamurti, on lui a demandé. Tu sais que tu connais Krishnamurti? Oui, bien sûr. Le penseur indien. Le penseur indien. On lui a demandé, mais toi, qu'est-ce que tu voudrais faire, toi, si tu reviens sur Terre? Ben, il dit, je veux faire la même chose. Rien d'autre. Parce que, tu vois, les esprits ont besoin d'être éveillés. Les consciences ont besoin. Et si je vais dans un champ, je vais travailler, je vais faire quelque chose qui est utile à tout le monde, eh bien, je ne ferai pas ce travail-là. Je crois que chacun de nous, d'entre nous, il y a un choix dans notre vie. Tu sais, soit tu t'occupes l'esprit avec le bienfait, le bien-être, la beauté, le petit machin, tout ça bien, ou soit tu es quelqu'un qui te porte volontaire pour être un cadeau pour l'humanité. C'est une dévotion. Dévotion. C'est un sacerdoce. Dévotion, sacerdoce. Mon ouais. Dieu. Non, mais je connais bien Guy parce que oui. je sais que par là, tu veux dire Farzad, reste ici, continue les émissions, ne va pas dans un jardin, ne va pas t'isoler, les gens ont besoin de toi. Parce que je t'ai déjà dit, j'ai envie de partir, j'ai envie d'arrêter, tout oui. ça. Et j'en parle en toute sincérité avec toi pour les dernières minutes. Là, en plus, ça va être la dernière émission qu'on vient de découvrir de la saison. Ouais, c'est vrai, je me suis posé la question. Et le fait que tu me dises ça, ça me responsabilise que peut-être je suis bien là à ma place. Exactement. Même si cette place me fait tellement souffrir. Non, ne te fais pas souffrir. Non, non. La souffrance n'est pas là. Tu souffrirais, tu serais pas là. Ouais. Parce que tu ne saurais pas dire tout ça. Ouais. Quelqu'un qui souffre ne peut pas aimer. Tu vois, quelqu'un qui souffre, il est dans son truc, il est pris avec lui-même et il peut rien faire pour personne. Tu vois, non, tu souffres pas. Et je vois ça dans ton sourire. Quand on sourit ensemble, quand on parle ensemble, toi et moi, il y a une telle sincérité qu'il y a un bonheur, un bonheur d'être ensemble. Qu'est-ce qui fait, Guy, parfois que j'ai envie d'abandonner? Ben, tout le monde a envie de ça. Tu sais, au bout d'un moment, moi-même, dans ma vie d'enfant, tu sais, dans toute ma jeunesse, j'avais envie de me suicider. Parce que j'avais pas ce que je voulais. Tout simplement. Et tu vois, c'est ça le monde. Le monde nous emmène à te faire désirer, 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 désirer plein de choses, plein de choses. Et au bout d'un moment, tu sais que tu peux pas les avoir. Ben, tu dis, mais merde, c'est à quoi ça sert? Bon! Oh mince alors. Je crois qu'il faut qu'on se réveille et qu'on regarde la réalité en face, vraiment en face, tu sais, et ne pas se leurrer. Ne pas se leurrer. Il n'y a rien à gagner. Il n'y a rien à aller chercher. Il n'y a pas de but dans la vie. Il y a juste être. Et quand tu es, c'est cette beauté qui t'accompagne, que tu as dit au tout début de l'émission. Tu sais, dans la montagne, c'est pas tant les montagnes, c'est pas tant la culture, c'est la beauté de tout ça. Et c'est l'essence de tout ça que tu es. Dans cette essence-là, tu vois, on peut, toi et moi, on peut s'accorder, on peut s'entendre, on peut vivre ensemble, tu vois, sans heurts, tu vois. Mais autrement, si on vit ensemble et qu'on n'a pas ça, attends-toi à des heurts, c'est sûr, tu vois. Et c'est ce qui se passe dans le monde, c'est qu'il n'y a pas cette beauté, il n'y a pas ce contact avec soi. Et c'est tellement important ça, tu vois. Si on n'a pas ce contact,
comment on va faire pour vivre ensemble? Comment nous, les humains, là, ici, sur la Réunion, on ne va pas parler sur la Terre, mais sur, à la Réunion, juste là, pas très loin, dans les familles, dans les groupes, les entreprises, si on n'a pas ça, comment on va faire? Tu vois, ça va nous passer comme ça devant les yeux, on ne les verra même pas. La joie, le bonheur va nous passer devant. Parce qu'on n'est pas en contact avec ça. Il faut qu'on rentre en contact avec cette beauté. Et chacun d'entre nous a cette capacité de prendre en main sa vie qui est cette beauté, et de le faire sortir. Comme ça. Et tu sais, quand moi je vois ça comme quelqu'un qui est acteur de sa vie. Il est acteur de l'harmonie en lui, tu vois. Et quand tu es acteur de cette harmonie, ben automatiquement, ce que tu fais, tu crées l'harmonie autour de toi. Cher ami, voici une note d'harmonie. Si là, tu nous écoutes, seras-tu là pour les gens, pour ce monde qui a besoin de toi, pour vivre libre? Je ne sais pas qui a dit ça, que la vie était comme ça. Tu ne peux pas changer. On agit comme de vrais robots, sans raisonner sur le programme, sans la joie d'être en vie.